viens d'apprendre que ceci est un fort classé à l'UNESCO. Donc c'est pas exactement encore où on va dormir, mais bon, on se doute un petit peu, il y a de l'eau, des bateaux. On est toujours en train de le chercher, mais là on est sur une toute petite micro-micro-micro-île avec un fort en son centre, comme je vous ai montré juste avant. Et donc, on a la recherche d'un bateau blanc. A few moments later. Parce qu'on est déjà passé devant ça, non? On cherche toujours le fameux bateau. C'est un escape game. 2000 years later. Je pense que c'est lui, ouais, hein? Ouais, regarde, il y a un truc en plus pour récupérer les clés. Petit boat tour, clairement. En plus, on a coucher de soleil sur l'eau. C'est incroyable. Oh, et un petit hamac. Bah, trop bien. Donc là, on rentre et... Ta-da! Hop, on a aussi de quoi regarder les étoiles le soir. Hop, de quoi faire l'apéro. Et la cuisine, elle est grande en vrai, hein. Je l'ai même pas encore vue. Vous allez nous faire quoi à manger, monsieur, ce soir? Rien du tout. Rien du tout, super. De l'eau chaude. De l'eau chaude. Donc ça, c'est là où on dort? Non. Oui. Oui. Oh. C'est grave mignon, ouais. Trop beau. Par là, on remonte. Et on a à nouveau des escaliers ici qui, eux, vont nous mener à la salle de bain qui est canon. Genre, ils ont grave bien optimisé, je trouve. Trop, trop beau. Et on arrive à la deuxième chambre. Bon, je suis un peu éclatée parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Je voulais vous montrer un petit peu l'extérieur du matin. Juste écoutez. Donc là, on vient actuellement d'arriver à Kokenov, où c'est la période des tulipes. Vous avez un énorme parc, vous allez pouvoir voir des centaines et des centaines de variétés différentes, de couleurs différentes. C'est vraiment magnifique. Et si je pouvais seulement vous partager à travers la vidéo, surtout l'odeur, c'est génial. Ça dure, je crois, un ou deux mois la saison, donc on est vraiment pile dans le timing et c'est juste magnifique, donc je vais essayer de faire juste un hommage. On vient d'arriver au dernier logement de ce voyage et pour rester sur le thème de l'eau, on dort encore une fois sur l'eau. Donc le logement est canon, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, en fait, vous avez l'entrée, vous avez directement la chambre ici avec la petite vue qui est très sympathique. Et ensuite là-bas, vous avez la salle de bain.
Voilà, très classique, super grande. Waouh, c'est canon! Ah, c'est plus grand que ce que... Ouais, ouais, ouais. Et là, on a les fenêtres penchées. Donc là, on arrive à l'étage du milieu. Ah ouais, ça continue en plus. Ah ouais. Sympa en vrai, hein. Et il y a un dernier étage. C'est un peu perturbant, faut pas avoir le vertige, mais... Donc espace terrasse en haut. C'est ton hôtel? Oh non, on peut pas zoomer plus. Eh, on recommence parce que c'est toujours plus drôle une troisième fois. Mémé, c'est ton hôtel? Il est insupportable. Enfin bref, on passe la soirée à l'autre. On est de retour à Montréal. En tout cas, ces deux semaines de vacances avec notre famille et nos amis nous ont vraiment fait du bien. C'est super cool. Mais là, on est de retour au Canada. Très content aussi de reprendre notre vie ici et de continuer cette aventure qui, en soi, ne fait toujours que commencer. Là, ça fait 6 mois qu'on est arrivé et qu'on s'est installé ici. Donc là, on a hâte de découvrir l'été québécois dont on nous parle beaucoup. En tout cas, d'autres vidéos arrivent très bientôt qui ont cette fois été tournées au Canada, donc j'ai hâte de vous partager ça et je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!